Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nail art créatif. De base, j'ai essayé de faire une fleur. Vous me direz en commentaire si vous aviez retrouvé cette fleur. Je commence par poser le UR Sugar 094 qui est un orange sur le pouce et l'auriculaire. Je vais le poser en deux couches. Ensuite, sur le majeur et l'annulaire, je vais poser le cream de chez MAC Art en deux couches également. Et sur mon index, je vais poser en deux couches le Blue Mountain de chez Ongle 24. Je viens maintenant poser sur tous mes ongles la Flash Shine, qui est une finition brillante. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. A l'aide de mon bloc polissoir, je viens matifier mon majeur et mon annulaire. Je prends le Nail Art Brush 1 de chez Nails Company. Et je prends mon UR Sugar 094 que je pose sur ma palette. Je vais utiliser également mon Paint Art Gel White et je vais venir faire mes fameuses fleurs. Alors j'ai galéré sur les fleurs, j'ai dû recommencer à plusieurs reprises, mais au final j'ai trouvé que cette pose était très jolie en fait. Je l'ai gardée facilement 2 semaines, elle était quand même très belle, même si je vous avouerai que ça a été une bataille pour le faire. Après quelques pétales orange et blanche, je viens utiliser le Paint Art Gel noir pour venir faire des petits points à l'intérieur comme des étamines. Je vais faire une autre fleur sur mon majeur où je vais utiliser le Blue Mountain et là je vais la faire plus haut. Après avoir fait quelques pétales avec le Blue Mountain, j'utilise le Paint Art Gel White pour refaire encore quelques pétales. Ça donne un peu de couleur en fait, ça permet d'intensifier la fleur. J'utilise le UR Sugar 101 et je vais venir faire quelques points pour rajouter dans les creux de mon ongle. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette fleur et si vous arrivez à la retrouver. Je fais également quelques points avec le UR Sugar 094. Tout le matériel se trouve en barre d'informations. Avec le UR Sugar 101, je vais venir sur mon annulaire commencer une nouvelle fleur. Je reproduis toujours le même processus, je prends de la matière, j'appuie sur le bas et je relève mon pinceau vers le haut pour faire une pointe. Je viens y ajouter des pétales de blanc. Et je rajoute des petits points sur les côtés en orange et en bleu. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon autre fleur qui était orange comme la première et je viens rajouter des petits points à l'intérieur pour faire les étamines. Je finis mon nail art en posant de la Flash Shine.
Comme toujours, quand on fait ses ongles, on finit avec de l'huile à cuticule. Et voici le résultat final. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.